La première fois qu'on nous a parlé de la radiation, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une maladie et que celui qui en souffrait mourait aussitôt. On nous a expliqué que c'est une chose qui s'insère dans le sol, mais qu'on ne peut pas voir. On dit que l'animal le peut. Il la voit et l'entend, mais pas l'homme. Or c'est faux. Moi, je l'ai vu. Il y a eu de ce césium dans mon potager jusqu'à ce que la pluie le mouille. Il avait une couleur d'encre. Il traînait par terre, luisant, par morceaux. Je suis allée dans le champ du kolkhoz jusque dans mon potager. C'était un morceau bleu. Et 200 mètres plus loin, un autre, grand comme le fichu que j'ai sur la tête. Avec d'autres femmes, nous avons couru en tous sens sur 4 hectares et nous en avons trouvé 4 grands morceaux. L'un d'entre eux était rouge. Et le lendemain matin, la pluie s'est mise à tomber sans discontinuer. Et à l'heure du déjeuner, lorsque la milice est arrivée, il n'y avait plus rien à leur montrer. On leur a juste raconté. Nous avons vu un morceau gros comme ça, comme mon fichu, bleu et rouge. Nous n'étions pas très effrayés par cette radiation. Si on ne l'avait pas vue, on en aurait peut-être eu peur, mais lorsque nous l'avons vue, il n'y avait plus de quoi être inquiet. La milice et les soldats ont placé des pancartes. Près de certaines maisons, ils écrivaient « 70 curies, 60 curies ». Nous qui vivions là de toute éternité, en nous nourrissant de nos pommes de terre, on nous a dit soudain que c'était interdit. Certains pleuraient, d'autres ricanaient. On nous a conseillé de travailler nos potagers avec des masques de coton et des gants de caoutchouc. Et un savant très gonflé est venu nous parler au club du village. Il a prétendu qu'il fallait laver les bûches. A-t-on jamais entendu pareille chose? Que mes oreilles se dessèchent pour toujours. On nous a ordonné de laver les draps, les housses, les rideaux. Pourtant, tout cela était à l'intérieur de la maison, dans des placards et dans des coffres. Et quelle radiation pouvait-il bien y avoir dans la maison, derrière les vitres, derrière la porte? C'est tout de même formidable. Il fallait plutôt la chercher dans la forêt et dans les champs. On a mis les puits sous scellés. On les a enveloppés d'une pellicule de plastique. L'eau serait-elle sale? Mais de quoi parlait-il? Elle a toujours été si pure. Ils ont sorti des tonnes de balivernes. Vous allez tous mourir. Il faut partir. Il faut évacuer. Les gens avaient peur. Ils étaient terrifiés. Certains enterraient leurs biens. J'ai plié mes habits, les diplômes d'honneur pour mon travail honnête et les quelques sous que j'avais économisés. Quelle tristesse! Quelle peine rongeait mon cœur! Que je meure sur place si je mens. Et j'entends que dans un village, les soldats ont évacué tout le monde, mais qu'un vieux et sa femme sont restés. Le jour de l'évacuation, lorsqu'on obligeait tout le monde à grimper dans des cars, ils ont pris leurs vaches et sont partis dans la forêt. Ils ont attendu le départ de tout le monde. D'où nous est-il venu ce malheur? Notre vie est si précaire. J'aimerais bien ne pas pleurer, mais les larmes coulent toutes seules. Si seulement des gens passaient par ici tous les jours, si seulement ils venaient chez moi. Pas loin d'ici, dans un autre village, une femme vit toute seule. Je lui ai déjà proposé de s'installer chez moi. Je ne sais pas si elle serait d'une aide quelconque, mais au moins j'aurais à qui parler. Quelqu'un a appelé. La nuit, j'ai mal partout. Les jambes me font souffrir. C'est la sciatique. Alors je prends quelque chose dans les mains, une poignée de graines de tournesol, et je les grignote. Alors le nerf se calme. J'ai tellement travaillé toute la vie. J'ai eu tant de chagrin. J'ai eu assez de tout. Et je ne veux plus rien. Si je mourais, je me reposerais. J'ai des enfants, des garçons et des filles. Ils vivent tous en ville, mais moi je ne veux pas partir d'ici. Dieu m'a donné de longues années, mais pas un bon destin. Je sais que les vieux finissent par ennuyer leurs enfants. D'abord, ils nous supportent, mais on finit par les gêner. Les enfants n'apportent de joie que petits. Celles qui sont parties en ville n'arrêtent pas de pleurer. Tantôt c'est la belle fille qui les rembarre, tantôt leur propre fille. Elles veulent toutes revenir. Mon homme est là, dans la tombe, au cimetière. S'il n'était pas là, il vivrait ailleurs et moi avec lui.
Et pourquoi partir? C'est beau ici, tout fleurit, tout pousse, des moustiques aux animaux domestiques, tout vit. Je vais me souvenir de tout, pour vous. Les avions passaient et repassaient, tous les jours, très bas au-dessus de nos têtes. Ils volaient vers le réacteur, vers la centrale, l'un après l'autre. Chez nous, c'était l'évacuation. Les soldats prenaient nos maisons d'assaut. Les gens s'enfermaient à clé, se cachaient. Le bétail hurlait, les enfants pleuraient, comme à la guerre. Et le soleil brillait. Moi, j'attendais dans la maison, mais sans m'enfermer à clé. Les soldats sont venus. « Alors, grand-mère, tu es prête ?» Je leur ai demandé. « Vous allez m'attacher les bras et les jambes de force ?» Ils sont restés quelques instants sans parler, puis ils sont partis. Des jeunes, des vrais gamins. Les femmes imploraient à genoux devant leur maison, mais les soldats les prenaient sous les bras l'une après l'autre pour les faire monter dans les camions. Mais moi, je les menaçais avec mon bâton. Je les injuriais, je leur lançais les pires insultes, mais je ne pleurais pas. À l'époque, je n'ai pas pleuré. Je suis restée dans la maison. On criait très fort. Et puis plus rien. Le silence. Tout est devenu calme. Le premier jour, je ne suis pas sortie de chez moi. Plus tard, on m'a raconté comment la colonne de gens marchait. Et la colonne de bétail qui avançait, comme à la guerre. Mon mari aimait à dire que l'homme tirait, mais que Dieu dirigeait les balles. À chacun son destin. Parmi les jeunes qui sont partis, certains sont déjà morts, dans leur nouveau lieu de résidence. Et moi, je marche avec mon bâton. Top, top. Parfois, je m'ennuie et je pleure. Le village est vide, mais il y a plein d'oiseaux, et ils volent. Et les cerfs viennent comme si de rien n'était. Je vais me souvenir de tout. Les gens sont partis, mais ils ont laissé les chiens et les chats. Au début, je leur versais du lait ou leur donnais du pain. Ils restaient près des cours de leur maître et guettaient leur retour. Ils ont attendu longtemps. Les chats affamés mangeaient des concombres, des tomates. Jusqu'à l'automne, j'ai coupé les herbes devant l'entrée de la voisine. J'ai aussi réparé sa palissade. J'attendais qu'ils reviennent, moi aussi. Le chien des voisins s'appelait Joutchok. Joutchok, lui disais-je, si tu rencontres des gens le premier, appelle-moi. La nuit, je rêvais que l'on m'évacuait. Un officier me criait « Hé, la patronne, nous allons tout brûler, enterrer les décombres, sors !» Et je rêvais que l'on m'emmenait dans un lieu inconnu, un endroit déconcertant, qui n'était ni une ville, ni un village. Et ni la terre. Des sans-logis viennent fouiller par ici. Dans les premiers temps, il y avait beaucoup de choses abandonnées. Des chemises, des pulls, des pelisses. Ils n'avaient qu'à se servir et à les vendre au marché aux puces. Ils se saoulaient et chantaient des chansons. « Putain de ta mère !» L'un d'eux est tombé de son vélo et s'est endormi dans la rue. Le matin, on n'a retrouvé que deux os et le vélo. C'est vrai ou c'est faux? Je ne saurais vous le dire. C'est ce qu'on raconte. Tout vit ici, absolument tout. Le lézard vit, la grenouille vit, et le ver de terre vit. Et il y a des souris, tout y est. C'est surtout au printemps que c'est beau. J'adore quand les lilas fleurissent. Les fleurs de merisier sentent si bon. Tant que mes jambes m'ont tenu, j'allais acheter le pain moi-même. 15 kilomètres, rien qu'à l'aller. Jeune, je les aurais fait comme une promenade. J'avais l'habitude. Après la guerre, nous allions en Ukraine chercher des semences, à 30 ou 50 kilomètres. Et maintenant, il m'arrive de ne pas pouvoir traverser la maison. Je vais sur les tombes. Ma mère repose là. Ma fille, toute petite, morte de la typhoïde pendant la guerre. À peine l'avait-on enterrée que le soleil est sorti de derrière les nuages. Et il brillait. On avait vraiment envie de la sortir du trou. Mon homme aussi est là, mon Fédia. Je reste là au milieu de tous. Je soupire. On peut parler avec les morts comme avec les vivants. Je ne vois pas de différence. Je les entends, les uns comme les autres. Lorsqu'on reste tout seul, et lorsque la tristesse vous gagne,
une tristesse immense. Tant de gens sont morts. Il m'arrive de fermer les yeux et de me promener dans le village. Et je leur dis, mais de quelle radiation parlez-vous, alors que les papillons volent, les abeilles bourdonnent et que mon vasca attrape des souris? Et toi, ma petite, as-tu compris ma tristesse? Tu vas aller la porter aux gens? Mais je ne serai peut-être plus là. On me trouvera sous la terre, avec les racines.